je suis en direct de Las Vegas. Non, pas du tout, je ne suis pas à Las Vegas, je suis bien à Winamax TV. Mais on va s'envoler dans quelques instants à Las Vegas, oublier le football. On va parler de poker et ça fait du bien un peu de temps en temps de parler poker, surtout quand c'est jour de relâche du côté de la Russie. C'est un multiplex spécial, c'est la première émission d'une longue série. On va aller comme ça jusqu'au 17 juillet, tous les jours ensemble. Une heure à parler uniquement des championnats du monde de poker et de l'actualité, évidemment, de Winamax, du côté de notre jeu de cartes favori. On va partir avec Harper dans très peu de temps, mais avant ça, déjà je vais vous saluer, déjà je vais vous faire gagner un ticket, et puis on va parler un peu de l'actu, parce que certes, il y a les WSOP, mais il y a autre chose qui nous intéresse en ce moment, notamment les mini WSOP. Si vous ne connaissez pas, c'est que vraiment vous dormiez, vous étiez dans une grotte, vous étiez rivé à votre écran de télévision à regarder le foot, et ben les mini WSOP, qu'est-ce que c'est ? C'est la réplique au 1/100e du festival des championnats du monde, des World Series of Poker, qui se déroule actuellement à Las Vegas. On a pris les mêmes tournois que les championnats du monde, on les a réduits à 1/100e, on a fait des buy-in 100 fois moins chers, avec, pour les vainqueurs, de beaux, évidemment, de beaux prize pools, avec de très jolis gains à gagner, mais surtout un bracelet unique, comme si vous étiez au championnat du monde, comme si vous étiez à Vegas, mais depuis votre fauteuil. Et ce soir encore, il y en aura, c'est tous les jours à 20h, les mini WSOP. On a déjà distribué 1,2 million d'euros sur notre festival online et ça continuera avec surtout le plus beau de tous les tournois, le main event qui va débarquer dimanche pour le day 1A, lundi le day 1B et mardi le day 1C. 100 000 euros de dotation minimum garantie à se partager, buy-in à 100 euros. Et il y aura encore un autre tournoi de folie, un tournoi inédit sur winamax.fr, c'est le Big One, à 10 000 euros de buy-in. Alors celui-là, personnellement, je ne le paye pas. Si vous, vous êtes chaud chez vous, faites-le. Hein. C'est le baron, si tu m'entends, vas-y. Il s'était inscrit déjà en avance sur le tournoi pour montrer à tout le monde qu'il avait une bien belle bankroll. On n'attend pas évidemment des milliers de joueurs comme à Las Vegas sur le Big One. Mais bon, déjà quelques joueurs qui viennent se friter à coups de 10 000 euros, ce serait assez marrant. Autre chose, ce week-end qui avait déjà commencé depuis lundi, mais le Day 1A également, qui commence, c'est dimanche à 21h, je vous parle du super free-roll. Celui-là, il ne coûte pas 10 000 euros, il ne coûte pas 100 euros, même pas 1 euro, c'est un free-roll. Il est entièrement gratuit et vous allez pouvoir vous partager 100 000 euros. Ça va durer tout l'été. Il y aura des Day 1 tous les dimanches à 21h jusqu'au 26 août. Il y aura une grande finale, le Day 2, avec la réunification de tous les joueurs qui se sont sortis du Day 1. Elle sera, je crois, le 2 septembre. Et donc, les meilleurs d'entre vous se partageront les 100 000 euros. L'année dernière, il y avait un joueur qui avait pris 10 000 euros sans investir un seul centime. C'est un free-roll, il n'y a pas de blague, c'est entièrement gratuit. Il faut juste, toute la semaine, que vous obteniez votre ticket pour le Day 1 du dimanche. Sur les steps, vous battez sur les steps, il y a les steps 1, step 2, step 3, c'est stade 1, stade 2, stade 3. Et une fois que vous avez passé le stade 3, c'est bon, vous êtes qualifié pour le day 1. J'enlève mes lunettes parce qu'on arrête les conneries quand même s'il y a des projecteurs ici, hein, ça fait mal aux yeux, mais j'exagère. Autre chose ce week-end, c'est dimanche. Dimanche à 21h, il y a un très beau satellite qui vous attend. Non pas pour Vegas, c'est trop tard hein, pour faire votre visa et prendre l'avion pour Las Vegas. Là, je pense qu'on a dépassé les dates. En revanche, en septembre, vous le savez, chaque année, fin septembre, il y a un festival de folie. Le plus fou, je pense, des festivals de poker, c'est évidemment le Winamax Poker Open qui mélange avec harmonie la bière et le jeu de cartes. Les qualifs, c'est tous les dimanches à 21h. Ça coûte 10 euros, c'est un 10 euros rebuy. C'est pas bien cher. Et vous pouvez comme ça récupérer directement votre buy-in. Si vous avez envie, c'est un package d'ailleurs, excusez-moi, pas un buy-in, mais en revanche, si vous avez envie juste de le buy-in, eh ben, perdez pas de temps, inscrivez-vous et profitez de notre code. On a un code promo pour avoir la chambre d'hôtel moins chère au City West Hotel puisque c'est dans ce très bel écrin que nous allons encore organiser notre beuverie. Et à partir de la semaine prochaine, ils ne sont pas encore en place, mais on vous le promet, ils arrivent, il y aura des expresso qualifiers pour vous permettre directement de récupérer un gros multiplicateur et puis votre package à 1500 euros. Allez, on va quand même parler de la vraie actualité. C'est évidemment les championnats du monde. On est là pour ça, on est là pour faire rêver un peu. Moi, je vibre tous les jours en suivant le coverage de nos reporters sur place. Il y a quand même une équipe de Chic et de Choc, Benjo, Von Style, Flegmatic et Tapis Volant qui sont là-bas, avec Tapis Volant qui a amené sa petite caméra pour nous faire de bien belles vidéos. On en reparlera plus tard, mais c'est surtout avec Benjo qu'on va parler, car il est lui avec nous. Il est aux côtés d'Harper en ce moment même. Ce sera juste après une première vidéo. On va se regarder ça, c'est une petite vidéo de présentation. Mais d'abord, avant d'aller faire la visite de Las Vegas, je vais vous poser la question. On va tirer au sort, parmi les bonnes réponses, un vainqueur à un ticket à 10 euros. Écoutez bien, vous connaissez le principe hein, pour tous ceux qui sont les Poképotes. On a décidé de vous appeler comme ça avec Kinshu, parce que les Winami, c'est Asbin. À vous, mes petits Poképotes. C'est pas vrai, je vous appellerai jamais comme ça.
pour répondre dans le chat, c'est point d'exclamation quiz, Q-U-I-Z. Donc un point d'exclamation, le signe de ponctuation, juste le point d'exclamation, c'est une barre avec un point en dessous, si vous êtes vraiment, vraiment pas du tout allé à l'école. Plus loin, quiz, non, pas plus loin, attaché, Q-U-I-Z, point d'exclamation, quiz. Là, vous laissez un espace et vous mettez votre réponse. Elle est très simple, c'est pour un ticket à 10 euros. Quel est le dernier Français encore en course dans le Raz Championship à 10 000 dollars des WSOP? C'est à Vegas que ça se passe. Si vous ne connaissez pas la réponse, honte à vous. Ruez-vous sur notre petit coverage. Juste dans le dernier article qui est le « Demandez le programme de la journée », vous avez la liste de toutes les belles choses de la journée, vous aurez la réponse. Dans le Raz Championship à 10 000 dollars, le dernier Français en course, on a déjà beaucoup parlé de lui cet été, il est très en forme. Allez, point d'exclamation quiz, plus loin la réponse, un seul Z à quiz, pas de bêtises. Je vous propose de partir tout de suite. Regardez cette petite vidéo qui va nous mettre en appétit avant d'aller appeler Harper et Benjo du côté de Vegas. C'est parti pour la visite de Las Vegas organisée par Monsieur Harper lui-même. À 8500 km de la France, nous voilà à Las Vegas. Si jamais vous n'êtes jamais venu, si vous êtes qualifié et que vous comptez venir, ou tout simplement si vous voulez revivre les beaux souvenirs, les beaux moments passés ici, ben on vous propose pour commencer cette série de multiplex poker spécial Las Vegas de faire tout simplement un tour de la ville. On va partir d'ici, du panneau Las Vegas, et on va remonter cette célèbre avenue, le Strip, avec toute sa folie bien sûr, tous ces bruits, tous ces sons, tous ces personnages étranges, pour vous emmener jusqu'au Rio Théâtre des World Series of Poker. Suivez-nous, on y va en voiture. Et là voilà, cette mythique avenue de Las Vegas, le Strip, où il faut pas passer au-delà de 20h, hein. Là je vous dis, sinon ça avance à pas d'escargot, mais là on est bien. Il est 11h45 à Las Vegas, les gens fuient le soleil, il fait 44 degrés au moment où on emprunte le Strip avec sur la gauche le Mandalay Bay doré, tragiquement connu hein, l'an passé, c'est d'ici qu'est parti le triste shooting qui a causé de nombreux décès. Mais c'est surtout un magnifique hôtel où il y a de nombreux spectacles. Michael Jackson, One du Cirque du Soleil est ici. Le Daylight, ça c'est une célèbre pool party. Et puis c'est la seule piscine qui offre des vagues, il y a possibilité de surfer ici, au sein même d'une piscine. Oui, on est dans le désert, mais tout est possible à Las Vegas. On arrive tout proche d'un autre hôtel, c'est le Luxor. Le Luxor que vous voyez là, bah, c'est la pyramide avec son nom égyptien. Moi, je vous conseille pas forcément de rester là, hein. C'est un peu terne, ça fait joli de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça fait un peu vieillot. Il y a une sensation de vide là-bas. On sent un peu comme si on était justement coincé dans un épisode d'Astérix. On n'a pas trop envie d'y séjourner. Et vous pouvez le voir, eSports Arena. On fait une petite pub pour ce complexe qui vient d'ouvrir. Désormais, on peut suivre là-bas de nombreuses finales de eSports. C'est tout nouveau. Ça a ouvert en juin 2018 et c'est désormais le théâtre de grandes compétitions eSports. On sait qu'il y a un énorme essor. Vegas ne pouvait pas passer à côté. Et on continue notre petit chemin pour arriver à l'Excalibur. L'Excalibur, c'est cet hôtel un peu moyenâgeux là de l'extérieur qui fait vraiment très Disneyland. Alors là, on est vraiment dans l'hôtel bon marché. Ça permet d'être sur le Strip. Les chambres sont pas très chères. C'est vraiment un bon compromis. Et juste derrière, on a le New York, New York. Alors vous le savez, la particularité des casinos de Las Vegas, c'est de reproduire des villes. Et là, on reproduit New York avec ses buildings, ses gratte-ciel et cet hôtel qui offre également un grand 8. Vous pouvez le voir, on aura l'occasion d'aller faire un tour durant notre séjour. Le New York, New York avec sa statue de la liberté, avec un petit drapeau, un petit maillot de foot US. Un de mes hôtels préférés sur la droite, le MGM Grand. Alors ici, il y a de quoi faire, c'est un des hôtels les plus festifs. Le Akasan, grosse boîte de nuit, le Wet Republic, une des meilleures pool parties de Las Vegas avec Calvin Harris qui est souvent présent. D'excellents restaurants, Joël Robuchon, l'atelier de Joël Robuchon. On a également le Cirque du Soleil qui est présent avec K, le spectacle qui a lieu ici. Les chambres sont également magnifiques, par contre c'est pas donné, mais s'il y a bien un endroit où vous pouvez faire la fête, c'est au MGM. Les États-Unis, le temple de la pub et du marketing, regardez comment ils sont doués. Le magasin M&M's World, un des plus grands au monde, bah là vous pouvez acheter tout ce que vous voulez à l'effigie des M&M's. Vous pouvez avoir les draps M&M's, les coussins M&M's, les déodorants M&M's et puis bien sûr les bonbons, parce que quand même, il faut bien se restaurer un peu. Et nous allons arriver à hauteur du Planet Hollywood, le Planet Hollywood. Depuis quelques années, ils offrent une très belle série de tournois de poker, pas trop chers, hein, des tournois qui vont de 50 dollars jusqu'à 1000, 1500, mais tous les jours, il y a des 200, c'est une série très appréciée. Alors,
Leurs croupiers sont souvent critiqués, mais moyen d'aller chercher un beau billet pour pas très cher. C'est aussi là que Britney Spears fait son spectacle. Et à gauche, le complexe qui est sorti du désert il y a une dizaine d'années avec l'Aria, le Vedara et le Cosmopolitan. Là, on est dans le grand, grand luxe. L'Aria, un des plus beaux hôtels de Las Vegas, un des plus beaux casinos également, avec possibilité de jouer à des parties de craps endiablés notamment. Et la particularité du Vedara, c'est d'avoir fait des appart-hôtels où il n'y a pas de casino. C'est un des rares endroits comme ça à Las Vegas. Ça vous permet d'être un peu au calme, à l'écart du strip, et de pouvoir vous sortir un peu la tête des machines à sous. On arrive à la maison, le Paris, où on trouve des baguettes, ce qui est assez rare du côté de Las Vegas. Ça vous permet enfin de manger comme à la maison avec le restaurant Mon Ami Gabi, notamment, qui est plutôt succulent. Et ça vous permet, cet hôtel surtout, de dîner avec une vue magnifique sur l'un des plus beaux hôtels de Las Vegas. On y est, le Bellagio, le fameux, avec ses fontaines qui sont juste exceptionnels, un spectacle à vivre toute la journée, toutes les 30 minutes, un peu plus le soir. Le Bellagio, célèbre pour les films qui ont été tournés également. Là par contre, il faut sortir le portefeuille pour y rester quelques jours, mais ça vaut le coup. Notamment, ces piscines sont exceptionnelles, et oui, je parle au pluriel car il y en a plusieurs. C'est vraiment un endroit où il faut aller au moins une fois dans sa vie. Ah, et cet hôtel, vous le connaissez forcément, oui, celui de Very Bad Trip, le César Palace. C'est là où Doug et ses copains font l'exploit, là où ils finissent par dormir sur le toit. Spoiler, désolé. Le César Palace, qui est juste immense. C'est un endroit pareil où il faut aller au moins une fois. Malheureusement, ils ont délaissé le poker, la poker room qui était immense et qui a été délaissée pour un sportsbook. C'est très bien pour aller assister aux rencontres de la Coupe du Monde, un peu moins pour jouer au poker. Ça fait qu'on y passe moins de temps, nous désormais les joueurs, dans ce César Palace. Par contre, les chambres sont des bijoux, vraiment, ça vaut le coup d'y passer une nuit. On arrive à hauteur du Flamingo. J'adore cet hôtel. Là, vraiment, c'est pas cher. D'ailleurs, il y a très souvent des qualifiés Winamax qui viennent ici pour séjourner. Il y a des très bonnes tables de poker, 1$, 2$ les blindes. Et des tables d'Ultimate aussi. C'est un jeu qui est très apprécié. C'est poker contre la banque. Là, on peut jouer à 5$ la mise minimum, ce qui est vraiment appréciable. Et puis à côté, en plus, il y a Margaritaville pour aller boire un verre une fois la session terminée. Autant vous dire que c'est un des meilleurs spots de Vegas, le Flamingo. On est là sur les hôtels bon plan. Le Haras, on a le Mirage et surtout le Treasure Island, qui sont des très bons endroits pour séjourner. Il y a des chambres où vous pouvez dormir jusqu'à 4 personnes au Treasure Island à 120-150$ la nuit. Autant vous dire que c'est vraiment un bon plan pour venir entre amis, séjourner un petit moment et ne pas payer trop cher, ne pas mettre tout son argent dans la chambre d'hôtel. Vraiment, je vous le recommande. Tous les soirs à 19h, vous avez un tournoi à 70$ l'entrée. Que demander de plus, vraiment, ce Treasure Island? J'y suis resté moi-même 10 jours l'an passé et ravi du rapport qualité-prix. Un des casinos les plus mythiques de Las Vegas, le Venetian et le Palazzo, réplique de Venise, avec à l'intérieur son petit cours d'eau où il est possible de naviguer sur une gondole. Alors oui, c'est vraiment pour les touristes, je crois que c'est 90$ le tour pour être sur un petit cours d'eau artificiel. Mais surtout, le Palazzo, cette année, c'est une magnifique série de tournois, les Deep Stack Extravaganza, qui ont été déplacés dans un parking. Alors comme ça ne fait pas rêver, mais tout a été aménagé pour les joueurs de poker, avec une foot courte qui jouxte la salle de jeu, une caisse dédiée également, et pas le bruit des machines à sous autour. Bref, on est vraiment dans un endroit idéal pour les joueurs de poker. Le Deep Stack Extravaganza, les petits plats ont été mis dans les grands pour tous les joueurs. Et l'hôtel, qui fait un mirage quand on le regarde de loin, il brille. On a l'impression qu'il se confond avec le désert. C'est le Wynn, du bien nommé Steve Wynn, qui a créé un des hôtels les plus luxueux de Las Vegas. Juste derrière, il y a sa réplique, le Encore. On a des plus belles pool parties de Las Vegas ici également, à l'Encore Beach Club. Les chambres sont exceptionnelles, mais là, il faut sortir le chéquier parce que ça coûte une blinde de venir séjourner ici. C'est juste très luxueux et exceptionnel. Vous voyez, ça n'arrête pas. Ça continue de construire encore un complexe là qui sort du désert. Ça fait 70 ans ici que ça fleurit d'année en année. Il y a de plus en plus d'hôtels. Et là, on voit que ça continue de construire. On voit la stratosphère au loin avec son grand pic rouge, ce qui veut dire qu'on arrive au bout du strip. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner jusqu'au Cromwell, l'hôtel à côté du Flamingo, qui propose une grande roue. On va prendre un peu de hauteur pour vous montrer cette ville majestueuse. Et enfin, pour apercevoir le Rio, puisque c'est notre objectif, aller là où se déroulent les World Series of Poker. Et voilà, on est dans le High Roller,
Pas le tournoi Winamax à 300 euros, hein, rien à voir. Le High Roller, c'est la grande roue, celle qui surplombe tout Las Vegas. On est à 200 mètres de haut et ça nous permet de voir tout ce strip qu'on a descendu en voiture. Il est là, derrière nous. Ça part du Mandalay, ça passe par le Planet Hollywood, le Flamingo. Et qui est là derrière? On a le Venetian, bien sûr. Et puis, enfin, on le voit, on l'aperçoit, l'hôtel qui est un peu à l'écart du strip. Le Rio, c'est là, notre objectif. C'est là où se déroulent les championnats du monde de poker. Il y a des dizaines de milliers de dollars qui sont en train d'être échangés là-bas. C'est à même pas 2 km de nous. On l'aperçoit enfin pour la première fois. On va profiter de ce petit tour de roue pour voir tout Vegas, voir le désert également qui entoure cette ville pour un peu mieux se rendre compte. Et puis derrière, on reprend la voiture, on file au Rio pour enfin découvrir les championnats du monde de poker. Nous sommes arrivés à destination, le Rio, le théâtre des rêves, là où sont échangés plusieurs millions de dollars chaque jour, là où sont distribués les bracelets, là où le Team Winamax tente chaque jour d'accéder au rêve ultime de tout joueur de poker, devenir champion du monde et remporter le précieux bracelet. Ça se passe ici dans la salle de conférence du Rio, juste derrière. Je vous propose de me suivre, d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir ce qui se trame et d'accéder aux salles les plus mythiques du monde. Je suis écœuré. Écœuré par tant de brague, 11 minutes de brague d'Harper. C'est pas normal. J'ai envie de m'insurger. Je suis à deux doigts de ne même pas l'appeler. Mais bon, comme il est déjà en ligne avec nous, on va le prendre. Allez, on le prend. Ils sont où là, les Harper et les Benjo? Regardez-les, les chatards là. Incroyable. Comment ça va? Alors, je vous entends pas. Je suis inquiet. Comment ça? Alors, moi, j'ai pas le son. Voilà, moi, j'avais pas le son. Comment ça va? Putain. Toi qui l'avais pas, ok. Oh là là. Oh, c'est... Écoute, ça va pas mal, on s'est remis de notre petite visite là, du High Roller. On est descendu, voilà, on était à 200 mètres, on a profité et là il est quand même 9h du matin hein, ici, Benjo. 9h, ouais. J'ai été retenu assez tard par une grosse perf qu'on va aborder tout de suite. Donc, ouais, ça pique un petit peu, pas beaucoup d'heures de sommeil ce matin. Pour tout te dire, j'ai mis mes chaussures et là je me suis rendu compte que j'avais pas encore mis mon pantalon. Très bon. Et on est dans la villa du Team Winamax, alors on espère qu'il y en a qui vont se lever. Quand je leur ai dit que c'était à 9h l'émission, ils m'ont tous fait des gros yeux, genre bah, non, ça n'arrivera pas. Donc vous allez peut-être voir Pierre Calamusa passer en caleçon. En plus, je crois qu'il n'a pas dormi seul ce soir. Allez, c'est bon ça, un petit Calamusa en caleçon. En tout cas, ça a l'air. Il n'y a pas encore de signe de vie pour l'instant. Ça a l'air mignon chez vous. Petite fontaine derrière là, c'est quoi? C'est une piscine? Non, c'est une fontaine juste. Non, ça c'est une petite fontaine, ouais. Il y a la piscine qui est juste derrière. Là, c'est une petite fontaine. Oh là là. Je ne vous entends plus, voilà, on est sur moi. Je les perds. Attendez, ils vont revenir. Qu'est-ce qui se passe? 9 heures de délai, ça lag, hein, c'est logique. Mais ils sont là et ils vont nous parler effectivement de ce qu'a pu retenir Benjo jusqu'au bout de la nuit. J'espère que vous l'avez suivi sur le coverage parce que nous, ça nous a fait vibrer. Clairement, ça... Alors attendez, on va les reprendre. Ça a coupé. C'est que 9h du matin, vous savez, ça pique hein, pour tout le monde. Et j'avoue que l'espoir de voir un Pierre Calamusa en pleine forme après avoir fait son fitness du matin, j'en doute quand même beaucoup. Ouais, dans le chat, je vois qu'on spoil déjà la perf dont nous parlait Benjo à demi-mot. Effectivement, on a vibré avec la France. Malheureusement, pas jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, si, jusqu'au bout du tournoi, mais il n'y a pas eu le petit sentiment, la petite cerise de la victoire et du bracelet. On va en parler avec Benjo, j'espère que vous l'aviez suivi. On a eu aussi un Julien Polge, 12 Monkey,
Ça aussi, j'espère que vous l'avez vu dans le coverage, qui est allé très très loin sur un nouveau tournoi, le Big Blind Ante, à 3 000 $. Et je crois qu'il a terminé 25e, je crois, sur 1 000 joueurs et quelques. Il y avait 500 000 $ à gagner. Aujourd'hui, le programme est complètement fou. Ça aussi, on va en parler avec eux. Il y a 9 tournois qui reprennent et pas n'importe lesquels. Il y a des très très beaux Day 2, il y a des finales. Dans les finales, il y en a une. C'était la question que je vous posais tout à l'heure du Raz Championship. Est-ce qu'ils sont de retour ? Ils sont là. On est là. Alors, je t'explique ce qui s'est passé. Remettez-moi le son dans le studio parce que si je les entends pas, je suis malheureux. J'ai besoin de les entendre. Tout simplement. La maison est tellement grande qu'il y a des bornes Wi-Fi partout ici. J'ai besoin du son. Et du coup, ça change parfois. Ça change de borne Wi-Fi. Mettez-moi du son dans le studio. Il nous entend. Voilà. C'est bon. Il y a que non, mais en fait, je vous entends, mais dans la pièce d'à côté, je vous entends pas là. Donc, je sais que ça marche. Bon, alors racontez-moi là, vas-y Benjo, moi je sais un peu parce que j'ai suivi, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te couches aussi tard ? Pourquoi tu t'es couché aussi tard Benjo ? Un Bruno Fit aussi en feu là ? Ouais, en feu, bah, chip leader pendant la majorité de la table finale du Pot Limit au Milo, mais malheureusement pour lui, malheureusement pour le poker tricolore, un de nos grands ambassadeurs du jeu en France depuis 1995, il a échoué en deuxième place. Et là, on commence à avoir un petit syndrome Poulidor, ça fait combien de fois que ça lui arrive ? Trois fois. Première fois en Raz en 2005. Il avait fini deuxième contre son meilleur pote Freddy Dib en 2007 dans le gros tournoi de Horse à 50 000. Ouais. Et là, c'était sur un pote limite au Milo, en plus avec une très belle table finale. Hein. Il y avait un raid de folie alors que c'est un jeu un peu de spécialiste. Et pourtant, juste la finale, elle était placée dans un endroit un peu intime. Hein. Il y avait déjà un stream de No Limit Hold'em avec notamment Jay Farber. Bon, c'est un random américain qui a gagné. Donc cette finale, ils l'ont mise dans un coin. Et justement, quand j'ai demandé au superviseur, est-ce que vous allez la mettre sur le gros podium maintenant que le lot de tournoi est fini, ils m'ont dit, non, parce qu'on n'a pas de place pour les spectateurs. Le podium télévisé, c'est un peu bizarre, il n'y a pas de gradin cette année. Je pense qu'il y en aura un pour le main event, pour l'autre, mais là, donc il y avait tous les Railbirds pour voir Negreanu, en grande forme, d'accord, même s'il a sauté vite. Mike Mathusso, qui jouait aggro, qui était de bonne humeur, plutôt de bonne humeur, donc c'était un bon cru Mike Mathusso. Et Eli Elezra, donc trois joueurs de Vegas, j'avais calculé 13 bracelets à eux trois. Et Bruno Fitoussi qui cherchait encore le premier. Et quand il restait plus que 4 joueurs, on avait encore Mathusso, Elezra et Fitoussi. Et c'est finalement Joseph Kouden qui s'est imposé, un des joueurs qu'on ne connaissait pas de la finale. C'est toujours comme ça, quand il y a 8 stars, c'est le 9e qui s'impose. Du coup, je vais sur Google, 1,7 million de dollars de gains. Ah oui. Je joue au cash game au Bellagio, enfin tu vois, papier en règle. Et puis il a pris l'avantage à 3 left. Et Fitoussi, bon, il s'est accroché pendant 2 heures en heads up, mais il a pas réussi à terminer. Il a remonté un petit peu, et après voilà, c'est du Oma Hello. Faut trouver aussi les bonnes cartes, et tu peux pas faire les bluffs pré-flop comme on limite hold'em où tu rechauffes, le mec a pas de fold equity. Là, t'as toujours un peu d'equity en Oma Hello. Si t'as deux petites cartes, si t'as un as avec des petites cartes, la main elle est jouable quoi qu'il arrive. Jamais passé plus, tu peux que pote. Oui, voilà, grosso modo, surtout en heads up quoi. C'était vachement intéressant à voir. Il y avait une ambiance particulière, il était tard. On se demandait s'ils allaient mettre en pause pour la soirée ou pas. Il restait plus grand monde dans la salle, juste le rail de 20-25 personnes et le reste de la Brasilia Room entièrement vide. Et alors c'était marrant parce qu'il y avait deux personnes pour la sécurité, tu sais, les officiers en jaune là. Et il y en a une qui prenait son rôle tellement à cœur, c'était un sketch, tu vois. Elle avait des lignes invisibles qu'on n'avait pas le droit de dépasser. Et dès que quelqu'un se mettait dans le passage, hop, elle fonçait sur eux, puis elle leur disait de se... Et c'était incroyable. Je pense qu'elle devait énormément s'ennuyer parce qu'il n'y a vraiment pas de menace à cette heure-ci à Vegas. Il n'y a personne qui passe, il n'y a pas de danger. Donc elle faisait la maîtresse d'école avec tout le rail. Et du coup, il y avait un espèce d'échange comme ça où ils s'amusaient un peu à flouter les règles, à se replacer un peu plus près de la barrière. Non, vous n'avez pas le droit d'être là. Il y en a un qui est à Guantanamo depuis. Hein. C'était non. Mais ça s'est terminé à quelle heure au final ? Ça s'est fini à quelle heure ça s'est terminé ? Ça s'est terminé à peu près à 2h du mat. Il restait quand ils ont joué le dernier coup, il restait 2 minutes avant le couvre-feu, tu vois, l'heure à laquelle le superviseur dit non, moi j'ai envie d'aller me coucher, vous revenez demain. Et ils ont joué le dernier coup à ce moment-là, il restait 2 petites minutes. Mais d'ailleurs, 5K était pas encore terminé. Tu racontes je crois dans plein de joueurs du Team Winamax se sont qualifiés pour le Day 2 dont Patrick Bruel. Et dans le team, il y a Romain Lewis, Guillaume Diaz, Carlos Lip qui sont passés, Joao Vieira aussi. Donc, on a un gros Day 2 aujourd'hui à suivre sur le coverage. Bah, t'as 9 tournois. Il y a 9 finales françaises. 9 tournois aujourd'hui. Tournois, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et pour revenir juste sur Bruno Fitoussi, t'as eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui à la fin. Comme tu dis, 3e, 2e place, il y avait une frustration. Il est content d'avoir pris le petit billet. C'était quoi l'ambiance ? À un moment, durant le heads up, il y a eu une pause qui était prévue dans la structure. Ils avaient déjà commencé à jouer un petit peu, mais il y a eu une pause. Et il avait 15
12 blindes contre 40, un truc comme ça. C'est la situation où si tu doubles, t'es presque à égalité et tu peux y croire. Mais il était déjà un petit peu résigné, tu vois. Il fait, ah, attends, je vais encore le rater, quoi, pour la troisième fois. Mais je lui dis, mais non, oui. Mais c'est fou d'avoir ce sentiment. Ça, ouais. Il disait ça de, vraiment en privé, quoi, d'homme à homme. C'était pas. Voilà. Et je lui ai dit, mais non, mais t'inquiète pas, il y a moyen que tu retrouves des cartes et tout. Mais il me dit, mais ouais, mais l'autre, il est fort déjà, j'ai l'habitude de jouer au Bellagio. Et puis voilà, tout ce qu'il a touché, il a même fait des quintes flush. Enfin, il avait les cartes pour lui. Et après avoir perdu, il m'a dit, bon, bah, c'est pas grave, j'y ai cru à un moment, mais c'est pas grave. Il m'a dit, tu sais, ça fait longtemps que je joue. Donc j'y ressens un petit peu moins les émotions au poker. En 2007, il avait fait deuxième, comme on a dit, du 50K, un des plus gros tournois de l'année. Là, il avait kiffé comme un ouf toute la journée et quand il a perdu, il était vachement déçu. Tu vois, mais c'était il y a 10 ans. Il en a vécu d'autres. C'est aussi un businessman dans le poker. Il fait pas que jouer les cash games et les tournois. Donc, il avait l'air assez neutre. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question basique. Est-ce que ça te donne envie d'aller te coucher pendant une semaine, d'être raté aussi près, ou tu repars demain à fond les ballons? Il m'a dit non, moi, je vais bien dormir ce soir et demain je serai au nouveau tournoi de Omaha Hilo. Les tournois se suivent dans les mêmes variantes, donc il va retenter sa chance aujourd'hui. Solide, la perte de Bruno Fitoussi. Il a intérêt, en tout cas, ça m'a fait très plaisir d'avoir de ces nouvelles. Juste dire pour juste ajouter un petit truc, c'est Bruno, il est chaque année maintenant, il est dans les qualifiés pour le Hall of Fame, les qualifiés internet, tu vois, on peut dire, c'est-à-dire que les fans de poker votent pour le Hall of Fame, ils rentrent dans cette shortlist et après les votants, le comité de votants, lui ont jamais voté pour rentrer dans le Hall of Fame. Je pense qu'avec tout ce qu'il a fait dans le poker, l'Aviation Club de France, le World Poker Tour en Europe, toutes ces étapes finales, s'il avait gagné hier, ça augmentait bien ses chances de faire le Hall of Fame. Donc il y avait cette petite équité-là, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'il l'avait dans un coin de sa tête. Ok, et tu as dit qu'aujourd'hui, il y avait des belles choses. Effectivement, il y a 9 tournois qui sont programmés. Hein. C'est ce que j'ai cru lire sur le demander le programme. Et notamment, il y a le Day 2 du Ladies. Avec de belles. On a bien envie d'en entendre parler de ce Ladies. Ouais. Petite gueule. Le Ladies, effectivement, Benjo. Alors, moi, j'ai la chance d'être dans le petit chat privé des couvreurs, là. Hier, ils se battaient tous, nos journalistes, pour pouvoir pénétrer en premier dans cette salle, la Brasilia Room, où se déroulait le Ladies, puisque les femmes étaient apprêtées. Et on a eu de très nombreuses joueuses. Un beau tournoi à 1 000 $ l'entrée, ou bien 10 000 $ pour les hommes. Et on a vu un joueur dépenser les 10 000 $. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver son nom dans le chip coin. Je crois que les 10 000 $, il les a cramés. Alors, on rappelle juste le règlement. Le tournoi est à 10 000 $ l'entrée, puisqu'on ne peut pas faire de gentrification au niveau de l'inscription. Donc, hommes et femmes peuvent participer à tous les tournois. C'est dans la loi. On peut juste faire des restrictions par rapport à l'âge, mais pas par rapport au genre à Las Vegas. Donc, 10 000 $ l'entrée. Mais ce qui est autorisé par la loi, c'est de faire un discount. Voilà. Et donc, c'est 1 000 $ l'entrée pour les femmes. Coupon de réduction. Voilà comment gentrifié en restant dans les clous de la loi. On a eu 686 inscrits. C'est un petit peu moins que l'année dernière, mais ça donne grosso modo le même tournoi. Dans le chip count, on a Gaëlle Bowman qui est plutôt bien placée. Enfin, elle a 37 blindes. 37 blindes, elle est. C'est pas mal. 37. Il reste 104 joueuses, elle est 40e. Ouais. Elle dort à 8 mètres là, donc on va hurler et peut-être qu'elle va venir nous rejoindre. C'est juste à côté. Deux autres françaises pour qui la partie va être beaucoup beaucoup plus difficile. Je les cite, on leur souhaite bonne chance aujourd'hui. C'est Nathalie Schaeffer et Jenny Israël. C'est tout en bas du tableau. D'accord. Sinon, parmi les joueuses qu'on va suivre aujourd'hui, il y a Natacha Mercier, c'est l'épouse de Jason, hein, qui joue plus jeune maman que lui en ce moment. Ouais, jeune maman. Alors un peu langue de pute, mon collègue hier qui me disait, quand on regarde Natacha Mercier et Jason Mercier, on n'est pas vraiment sûr de qui a accouché récemment. Oh là là, c'est petit. Ils ont eu des jumeaux et lui, il a mangé le deuxième, il paraît. vous êtes mauvais. Il y a moyen. J'ai reconnu Lacey Jones, que les vieux de la vieille reconnaîtront. Elle est en 27e place. Il y a Christy Arnett, c'est l'ancienne journaliste poker qui maintenant est pro du poker. Elle est en 37e place. Et il y a Mélanie Weissner, la très, très bonne amie de Von Style. Ouais, apparemment, ils s'aiment bien. Ils se connaissent bien. Voilà pour les forces en présence sur le Ladies qui va reprendre à midi. C'est donc dans 2h30 ici, l'équivalent de 21h heure française. J'imagine que sur le coverage, on aura des petites avancées. On va s'arrêter sûrement à 15-20 joueuses aujourd'hui. Bah, avec la structure et le fait qu'il ne reste plus que 100 joueurs, il y a vraiment moyen d'avoir la table finale, même pas trop tard. Mais je crois qu'on a une mauvaise nouvelle dans les rangs, Antoine, du côté du team, puisqu'il y avait deux joueuses et il y en a une qui a été éliminée. Ah oui, bah ça tombe mal, mais en même temps, je crois qu'elle a quand même pu nous dire quelques mots, non, si je dis pas de bêtises. Exactement. Bah allez, on va regarder ça, on va regarder l'interview de Léo Marguetz. Avec Léo Marguetz, tout juste éliminé du Ladies, c'est toujours une sensation terrible. Hein.
Oui, c'est terrible parce que quand même c'est un bon tournoi et parfois tout devient un peu plus affamé de gagner des chips, mais quand même ça se passe. Bon, tournoi ladies, on le met de côté. À côté de ça, comment ça se passe Vegas pour toi? Oh, je dois dire que je suis de plus bonne humeur que c'était aligné avec les résultats. Ça fait une semaine que je suis ici et j'ai briqué tous les tournois. C'est quand même différent de briquer quand tu joues en vie, que live, que online, c'est plus standard. Mais vraiment ici, tu viens, c'est la période plus importante de l'année et ça fait être beaucoup plus. Tu dois être très calme mental parce que sinon, tu sais, c'est pas facile de rester dans le état mental optimal quand tu briques tous les jours. Mais je pense que j'étais bien entraînée pour ça. Pour avoir cet état optimal justement mentalement, comment c'est ta préparation? Tu as quelque chose de spécifique pour Vegas? J'aime bien de pouvoir faire ce que je veux tout le temps. Et alors c'est un peu la sensation de contrôle, d'être, si je veux rester, je reste, si je veux aller faire du sport, de le faire et avoir comme une routine, ça m'aide tellement, beaucoup, beaucoup. Et bon, j'ai fait ça, mais on sait que parfois, souvent, quand même au short term, la motivation ou l'effort, c'est pas complètement directement relationné avec les résultats. Et Vegas, c'est beaucoup de court terme, on le sait tous les ans. Il y a eu un restaurant avec les joueurs du Team Winamax pour l'anniversaire de Michel. Ça avait l'air incroyable, il y avait une ambiance folle, t'as participé. C'est quoi les moments de vie avec le Team Winamax à Vegas? Ça, c'est tellement bon. C'est différent de Marrakech parce que Marrakech, c'est notre tournoi. Mais ici, tu sais, tout le monde, c'est Vegas. C'est la mecca du poker. Et alors, c'est aussi très bon de faire des activités. Ça t'aide aussi de déconnecter parfois. On va faire aussi un Lac Med dans moins d'une semaine. C'est parfait pour pré-main event. C'est bien. Et pour, tu sais aussi, les dinners white, pouvoir le faire ça avec le team et pas forcément en parlant de poker, c'est plus on disconnecte. Et bien écoute, le main event du coup qui approche, ça doit être l'échéance principale quand même pour toi, j'imagine, un tournoi que tu attends beaucoup. Si, bien sûr, toute l'année. Et c'est le bon, Vegas, presque tous les tournois, t'as cette kind of femme spéciale, mais le main event, tu sens, comme on dit, des butterflies. Alors c'est vraiment joli après 11 années de jouer, de sentir ça avant un tournoi. Des petits papillons dans le ventre, ouais, qui doivent être là. Merci beaucoup Léo, on te souhaite bonne chance pour tes futurs tournois. Merci. Salut. Ah là là, c'est pas mal. On est déçus pour elle. Elle a l'air déçue quand même, hein, Léo, c'est vrai. Mais bon, après tout, à Vegas, il y a les WSOP, mais il y a aussi d'autres choses. Parlez-moi un peu des à côté, là, du off. Toi, Benjo, qui vient d'arriver, toutes les folies que vous avez faites, là. Ah, les off de Benjo, depuis qu'il est arrivé, il a quand même beaucoup fréquenté le Rio. Mais t'as eu l'occasion de faire un petit tour, toi, en dehors de Las Vegas. C'est ce que t'aimes bien faire quand tu arrives, aller voir un peu les alentours et surtout suivre ton guide de Las Vegas que tu recommandes à tout le monde. Ouais, si vous avez lu le guide, je donne 20 adresses. J'ai déjà fait à peu près 10 trucs. Ah ouais. Mais il y a un truc assez. Y a quand sachant qu'ils les avaient tous déjà fait 15 fois. Il y a un truc un petit peu marrant. C'est qu'il y a dans le guide, je donne quelques adresses de bars et j'explique que quand on est français et qu'on va dans un bar à Vegas, on rencontrera toujours un supporter de Donald Trump qui demande pourquoi les Français détestent les Américains et qui est un peu vindicatif et tout. Mais je disais ça un peu en rigolant, ça n'arrive pas systématiquement, tu vois, il y a quand même des gens normaux. Et j'arrive dans un de mes bars préférés avec un pote, un truc un peu moisi, mais l'ambiance, elle est cool, tu vois, c'est pas les bars des casinos, c'est un peu plus en retrait. Et là, pam, l'italo-américain qui nous adresse la parole et tout, puis au bout d'une demi-heure, il fait « Mais Donald Trump, c'est le meilleur président qu'il y ait jamais eu et tout, vous comprenez rien en France !» Mais on s'est resté très amical et tout, on a discuté, j'étais là, bon, je suis pas trop d'accord, mais après, voilà. Il a construit un mur à la sortie du bar et tout, très sympa. Et ouais, non, sinon un petit peu de balade dans le désert, j'étais dans ma petite ville fantôme, après la baignade dans le Colorado, on a été écouter de la musique live, j'ai même découvert des nouveaux trucs, enfin, j'enrichis le guide, c'est du travail en fait, tu vois, c'est les promenades dans Vegas, mais ça écrit le guide de l'année d'après. Mais en off, vraiment croustillant, je pense que le croustillant en fait a dû intervenir cette nuit, à quelques mètres derrière nous. Puisqu'hier soir, il y a un message qui a été lancé par Michel Abécassis qui nous met dans le chat du Team Winamax.
le Mick Craps Invitational débute à 21h30. Alors, ça veut dire, en gros, il va faire ouvrir une table de craps, Michel Abécassis, à l'Aria. Il lance les dés. Bah, de base, en tout cas, il s'installe. Après, des gens viennent autour pour mettre l'ambiance. Et Pierre Calamusa s'est rendu sur place. Je suis allé jeter un petit coup d'œil aussi, les deux qui sont associés. Et là, attention, le sketch de Michel Abécassis, qui était persuadé qu'il perdait parce que Pierre, en fait, était de temps en temps sur son téléphone, pas assez attentif, oui, il ne vivait pas assez l'instant. Il a osé prononcer le mot 7. Quand on fait 7 avec les dés au crabe, son père. Non. Et Pierre a osé dire eh, mais là, c'est sûr qu'on va faire 7 bientôt. Michel s'est décomposé, c'était horrible, à tel point qu'il a demandé à ce que Pierre quitte les lieux. Il était persona non grata, il n'avait plus le droit d'être là. Donc Pierre a dit si c'est comme ça, je me casse en soirée. Il est parti en soirée. Et on a reçu un message dans la nuit qui nous disait à nous, les résidents ici de la villa du Team Winamax, je risque de ne pas rentrer seul, ne vous inquiétez pas si vous voyez des femmes demain se balader, c'est tout à fait normal. Donc là, on n'est pas à l'abri. Mais invitez-les, dites-leur de venir sur le plateau. Ah, mais je les ai cherchées, elles ne sont pas là, je ne les ai pas trouvées. Il a dû les garder dans la chambre encore, Pierre. Ok, c'est pas mal. Et alors, j'ai vu. Trop tôt, mais soit tu la commences trop tard en fait. Oui, c'est ça. On va peut-être faire l'émission vers 5h du matin devant la porte d'entrée de la villa du team. Et là on aura le croustille. Ouais, 14h, c'est pratique, c'est bien pour nous 14h. Non, mais peut-être que Pierre avait envie de décompresser. J'ai vu qu'il y avait cette espèce de tendance un peu cette année-là de faire des gros breaks. C'est Romain notamment qui a fait un break. Guillaume qui nous raconte ça dans son blog et qui s'est prévu comme ça des jours de respiration. Alors c'est quoi ça? C'est stratégie pour mieux faire? C'est de l'habitude de Vegas? Tu sais que tu as besoin d'un petit moment où tu décompresses. Comment ça se passe? Ouais, les breaks au sein du Team Winamax, c'est vrai qu'il y a Romain, je parlais avec lui hier, Romain Lewis, qui est parti quelques jours du côté de Denver. Il a de la famille là-bas, dans le Colorado. Et il est parti, j'espère on peut dire de bêtises, mais oui, c'est bien ça. Et il est parti faire de la moto dans les montagnes avec son oncle, complètement décompressé. Il a éteint le téléphone, plus du tout regardé les résultats des WSOP. Et c'est vrai que quand on vient un mois et demi, il y a souvent ce besoin de faire 3-4 jours de break. Alors ça, c'est la solution facile, entre guillemets, à quelques kilomètres. Mais il y a carrément lui, Adrián Mateos Diaz, qui rentre en Espagne. Ouais, wow. Faut trouver le second souffle et ça peut être très... très profitable de pas penser que au poker. À un moment, de faire une coupure, c'est long, 50 jours de grind consécutifs, il y a des parties tous les jours, il faut même trouver la force en fait de dire non, ce tournoi il est très beau mais je suis pas obligé de le jouer, je peux aussi faire autre chose. Le break, tu peux même le faire à Vegas d'ailleurs, t'es pas obligé de partir parce qu'il y a le Lake Mead, il y a le Red Rock Canyon, tu peux aller même au Grand Canyon passer 2-3 jours. Enfin, le décor naturel autour de Vegas est tellement beau que si tu veux penser à autre chose, c'est très facile. C'est prévu d'ailleurs dans 2 jours une sortie du Team Winamax du côté du Lake Mead, on sera évidemment sur place pour vous faire des images et vous montrer l'image que vous attendez tous, hein, bien sûr, Ivan Deira dans son petit slip Décathlon. Je ne rêve que de ça toutes les nuits. Bon, toi, Harper, finalement, t'es arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, t'as pas encore besoin de décompresser, donc je crois que c'est plutôt l'inverse, t'essayes plutôt de te faire ton Vegas à toi. Tu t'es une espèce de challenge, hein. C'est la vidéo que j'attends le plus, je te le cache pas. C'est ça, il y a un challenge, tous les jours, je vais avoir $20 et je vais tenter de faire fructifier c'est $20 en allant sur une machine à sous ou en faisant des parts contre des gens dans la rue. C'est la séquence gamble. Allez, c'est la séquence gamble, on regarde ça tout de suite. La séquence gamble, j'ai $20. On va tenter de les faire fructifier là. Première séquence gamble. On a pris la grosse machine, papa. Hein. Alors, je crois que c'est $5 le coup, je suis foutu. J'ai 4 coups. $20, allez. Play 5, il faut les 7. Il faut faire des 7. Il faut faire des 7. Allez, les barres. Ah putain. Bon, moins $5 déjà. Ça part mal, ce Vegas. Ça part mal. Allez. Ah putain. On a perdu la moitié de la bankroll. On a perdu la moitié de la bankroll. No, thank you. Elle me dit good luck, mais il me reste plus que $5 déjà. Là. Elle me proposait un verre à boire. J'aurais peut-être dû le prendre. Hein. Parce que là, $5. Allez, dernier coup. Allez. C'est perdu. Ah, c'est la première séquence gamble en direct de Las Vegas. On tentera de se rattraper demain. C'est allé assez vite, hein. C'était. Tu vas pas durer longtemps. Je suis rasé. Non, mais j'ai une remarque. Tu parles de faire fructifier $20 en refusant le cocktail que la serveuse te propose et qui aurait été gratuit. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas Vegas.
tu perds quoi, je sais pas, un whisky coke, machin, $5 de value à peu près. Mais le problème, c'est qu'en fait, il faut que j'ai encore de l'argent au moment où elles reviennent. Et donc là, je perdais trop, j'aurais dû laisser $1 et prendre le cocktail. Bon bah écoute, on espère. En fait, ça veut dire que pour la prochaine séquence. Si un jour t'es pas dans l'émission à l'heure où je t'appelle, ça veut dire qu'en fait t'es devenu millionnaire à partir de $20 pendant la nuit, quoi. Ou alors que je dors dans la rue et que j'ai plus internet pour Bon allez, sinon plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que le programme aujourd'hui? On en a parlé vite fait, on dit qu'il y a 9 tournois, mais c'est quoi, sur quoi on va vraiment mettre les projecteurs à fond là? Ah, il faut parler absolument de ce 5K 6 Max hein, dans le programme du jour qu'on a vécu hier avec l'arrivée quand même du boss hein, Benjo. Patrick Bruel qui est arrivé, premier tournoi depuis le PT Monte Carlo. En plus, on n'avait pas trop été prévenu parce qu'avec Patrick, ça se décide toujours au dernier moment. Il a beaucoup de choses à faire dans sa vie professionnelle de base. Et là, c'est Stéphane qui nous a dit le jour même, ah ouais, en fait, Patrick, il est là, il est dans le 5K. Il faisait partie de ceux qui étaient le premier arrivé. La période de la Craig, elle est très longue, mais Patrick, il a envie de jouer, il ne joue pas souvent. Et dès le début, il était hilar, il me raconte un coup en français devant toute la table. Où il fait runner flush avec 6 et 2. Il avait le tirage gut shot en plus. Et le reste de la table était mort de rire, y compris le mec qui venait de perdre ce gros coup dès le premier niveau où il y a une relance à 7000 rivières. Patrick, il croit pas que le mec est en value avec une couleur supérieure. Donc, hop, il le paye. Et puis bon esprit. Il sera au day 2, pas avec le tapis énorme, mais il sera au défi. Et le défi, c'est bien sûr d'avoir un mot de Patrick Bruel demain dans le multiplex poker. On va le traquer. Alors, après le blocking call. 14h aujourd'hui, là, c'est dans. Il a inventé un nouveau concept, Patrick. Hein. C'est plus le blocking call, c'est le snap call au flop pour avoir une turn gratuite, pour avoir une river gratuite. J'ai rien compris. il nous donne le fameux kick à dit Ponce P, le snap call. Flop pour avoir une turn gratuite. Ouais, c'est la main que je viens de résumer très brièvement. Et effectivement, on en a appris un peu plus sur la stratégie de Patoche sur ces gros events. Ça a marché. Bon, et moi, il y a un autre tournoi que je veux voir, c'est le Raz Championship à 10 000 dollars. Donc, c'est le Day 3 ou Day 3. Le Raz Championship à 10 000 dollars l'entrée avec Julien Martini. Écoute, je savais que Julien Martini se défendait en No Limit Hold'em, en tournoi et tout, mais je sais pas si parce qu'il a bossé depuis toutes ces années ou parce que maintenant il a la bankroll pour jouer plein d'events parce qu'il a gagné un bracelet tout de suite dans la première semaine cet été, mais on le retrouve payé dans des tournois de stud et là dans des tournois de variante, il a gagné son bracelet en Omaha et là on le retrouve dans le Raz à 10 000. C'est l'épreuve du spécialiste ultime, c'est l'un des plus petits fils des WSOP, ça tourne autour de 100 joueurs. Ils sont plus que 13, il est classé 4e. Ouais. Bon, il y a des spécialistes. Hein. Il est bien parti pour faire la finale. Pour aller chercher le bracelet, il va falloir battre des mecs comme... J'ai vu Paul Volpe chez les jeunes. John Hennigan, déjà vainqueur cette année chez les plus anciens. John Hennigan, il est énorme. Il y a Dimitri Urbanovic, un mec qui se sentait très chaud de gagner des bracelets il y a quelques années. Il avait fait des gros bets. Il avait fait un airball total, genre même pas des... Ah, il s'est broke, il s'est broke. Et là, il est pas mal. Il est dans les 13 derniers. Je sais pas s'il a encore des résidus de Paris. Ça va peut-être passer aujourd'hui. Donc, 13 joueurs. Je sais pas si on aura le vainqueur ce soir, mais le RAS, ça a l'air d'être une variante où ça va quand même assez vite parce que tu pédales sur un format limite où il faut aller tirer jusqu'à 7 cartes. Ça peut se terminer ce soir. En plus, c'est des mecs qui savent jouer, ça va jouer très vite. Alors, il y a autre chose, il y a aussi le Tag Team à 1000 dollars. Celui-là et aussi, il donne envie, avec également un autre Français qui a déjà gagné un bracelet et qui peut faire le doublé déjà. On a eu deux Français gagnants jusqu'ici cet été et ce sont les deux qui, ce soir, sont en position pour remporter un autre. L'équipe de William Raymond, le journaliste d'investigation qui est installé à Vegas depuis quelques années, passionné de poker. Il nous a même dit qu'il a regardé à la bulle hier, dans la tête d'un pro, juste avant la bulle, l'épisode de Pierre où il martyrise la bulle pour voir, tiens, il n'y a pas des trucs où je pourrais répliquer ça. 28 équipes, il reste, c'est des équipes entre 2 et 4 joueurs, ça c'était au choix. Toi, par exemple, tu avais fait une équipe de 2, il y en a qui sont 4, et après tu alternes. Lui, il est en tandem avec un pote nord-américain, et il est deuxième au classement. On vous proposera la vidéo demain, d'ailleurs, de notre tournoi. Gaël Baumann et moi, on a joué ensemble ce tag team. Ouais. Spoiler, on n'est pas dans les 28 derniers. C'était une bonne expérience quand même. Ah, c'était génial à vivre. Franchement, la convivialité sur ce tournoi, c'était fou. On était à la table en plus avec James Woods, l'acteur américain qui est fan de Gaël. Maintenant, dès qu'il croise Gaël, il
wave, il fait ouais, gueule. Ce qui est énorme, lui, 1 500 000 abonnés Twitter, acteur culte, il était une fois dans l'Amérique. Enfin, c'est un monstre du cinéma, Casino. Et donc ouais, c'est marrant de le voir qu'il était fan de Gaël. Du coup, on a même une interview de James Woods à venir demain sur Winamax TV. Ouais, voilà, c'est génial. Eh ben, ça donne envie. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'aller terminer vos... Allez réveiller Pierre, comme ça vous vérifierez directement s'il est seul ou pas dans sa chambre. Faites des gros bisous à tout le team et puis surtout, bah, bonne chance Benjo, parce que je crois que t'as quand même une grosse journée qui t'attend. Donc voilà, tu t'es réveillé tôt aujourd'hui, essaye de pas te coucher trop tard. Et puis je vous invite tous évidemment hein, à suivre ce coverage qui est vraiment passionnant, ce Vegas qui est passionnant. Et puis toi Harper, on te retrouve demain à la même heure, à 18h hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, il me semble, pour bah, la transition hein, entre les deux huitièmes de finale après celui de l'équipe de France. Et on pourra vous faire un point sur Las Vegas, de nouvelles vidéos à venir, point sur les tournois évidemment, en espérant de bonnes nouvelles côté français. On a des belles cartes à jouer aujourd'hui. En espérant, ouais, exactement, avoir un doublé. Gros bisous à vous, amusez-vous bien à Vegas, faites pas de folie. Et puis on se retrouve très vite sur le coverage et sur Winamax TV. Ciao les gars, bon courage. Allez, voilà, me voilà seul comme un rat mort. Ce que je vous propose, juste de faire un dernier point sur le programme de la journée du côté de Vegas. Je vais vous faire la liste des tournois dont on n'a pas encore parlé. Il y aura un Super Turbo Bounty à 1 000 $, un Tag Team 1 000 $, c'est le Day 3, on vient d'en parler. Le Ladies Day 2 avec Gaël encore en course dans le tournoi. Le Day 3 du Raz Championship avec Julien Martini, bien sûr. Le Six Undead 5 000 $ avec Patoche. Et beaucoup de joueurs du team, dont Guillaume Diaz, toujours très en forme, 25e à la reprise. Il est très très chaud, notre Volatar. Le Big Blind Ante, 3 000 $, va se terminer, il ne reste plus que 4 joueurs. Il y a un Pot Limit Omaha Hilo Championship, 10 000 $, c'est le championship, c'est le plus prestigieux. Donc Bruno Fitoussi reviendra pour peut-être essayer de décrocher enfin ce bracelet. Il y aura un WSOP online à 1 000 $, WSOP.com. Et enfin, le Day 1E du Giant, 365 $. Si vous êtes à Vegas, vous savez maintenant à quoi vous inscrire. Et si vous êtes à Paris ou en France ou n'importe où d'ailleurs, eh ben, vous savez que c'est sur le coverage de Winamax que vous aurez des nouvelles. Et j'espère qu'ils vont aller loin, surtout Julien Martini qui nous ramène un petit deuxième bracelet. Là, ce serait très très beau. Du côté des gens qui veulent jouer online ce soir, vous avez 2 mini WSOP au choix. Vous pouvez soit vous la donner en knockout, c'est l'event 59 à 10 €, ça commence à 20 h, tout comme l'event 60 qui sera le championship, du coup également du PLO 8, PLO ILO, il sera à 100 € comme tous les championships. On se retrouve après cette dernière vidéo pour conclure cette première édition du Multiplex Poker spécial WSOP. On va partir dans la tête d'un pro grâce à la petite vidéo reportage réalisée par Tapis Volant sur toute l'équipe qui a fait un nouvel épisode de votre série préférée en suivant Guillaume Diaz lors de son parcours sur le Monster Stack. A tout de suite. D'un pro, en tout on est 6. En permanence autour de la table il y a 3 personnes. Un angle fixe sur le joueur qui suit. Toute la journée quasiment je tourne en permanence pour pouvoir rebasculer dès que les autres caméras sont un peu à l'arrache. Ensuite il y a une caméra qui est plus focus sur le flop et des choses serrées sur les mains, mais pour avoir les cartes parce qu'on n'a pas quelqu'un qui scripte derrière. Et ensuite il y a un autre angle qui s'occupe des autres joueurs. C'est Angie, Amandine qui s'occupe du flop. En général, c'est Junior qui s'occupe de la caméra fixe. Pour les mains, en fait, on a une application qui permet de les noter en temps réel. Voilà, c'est juste ça note l'heure et le joueur, lui, il a le choix de justement, il choisit les mains qu'il veut garder. Même si nous, autour de la table, on note aussi les mains qu'on a envie de garder ou à revoir, et le joueur lui il note et il peut dans cette application noter ses mains. Du coup après par un système de synchronisation on retrouve l'heure et on sait la main qu'il avait à intenter. J'ai loupé Kalimusa. Voilà, j'ai pas eu le temps de filmer donc je vais me faire engueuler, je pense qu'à mon avis ils vont sucrer une pige. Fait chier. Bon bah. Tu veux pas faire une mise en scène, genre il est encore là? Si, bah en fait je pense que je vais filmer n'importe quel chinois. Je vais lui demander de mettre un logo Winamax et ça passera, mais bon. Ça
va pas être compliqué, mais bon, on va essayer quoi. Voilà, on prend un chinois. Congratulations, everyone, you're on the money! Moi je m'en rappelle, il y a un mois on a dit le mec il fait l'argent, on n'a pas dit il saute quoi. Moi j'ai parié sur la table finale. Je veux pas à la fin du D1. Dans le montage on dira, on fera comme d'habitude, on dira d'autres trucs. Que t'as bien joué, on changera les cartes et on fera comme d'habitude. Quand je te donne, on fait style genre je monte 2-3, mais ça gagne quand même. C'est ça. Avec un autre coup. Mais à chaque fois, pour les changer les cartes, je gagne. Tu sais, parce que la river, c'est... Tu sais, quand tu suis un joueur du premier jour, tu vibres un peu avec lui, tu vois. Et là, tu sais, t'as envie qu'il aille loin, puis aussi, c'est sûr, pour le programme, c'est mieux que ça suive, tu vois. En plus, il y a quand même beaucoup de fluctuations. Quoi qu'il en soit, le tournoi, c'est jamais un... Et ça monte, les jetons, il y a des moments de creux, des... Alors, tu sais, putain, il va sauter, alors qu'est-ce qu'on fait s'il saute, sur qui on va basculer, faut voir les types comme des autres, à savoir. Après, bon, quand il n'y a plus personne, on sait que le tournoi, il est foutu et on va passer à un autre, mais non, t'as envie qu'il aille loin, parce que, tu vois, c'est cool, quoi. Il faut savoir que quand je bosse pendant un tête d'un pro, en général avec mon chat. Exemple David Kitaï à Las Vegas il y a 2 ans. Prague avec Pierre Calamisa. Barcelone, j'étais pas là. Ils ont galéré comme des chiens. Et puis là, aujourd'hui, je suis à Las Vegas aujourd'hui. Et là, on suit volatile. Et on est pas mal. Je pense que j'ai un petit mojo là-dessus et je pense que je devrais peut-être demander une augmentation pour ça. TF. On a un contrat avec tes codes. S'ils veulent un TF. Normalement, si Gaïti se prend le million, il y a un petit 10K pour moi. Je l'ai presque amené, c'est presque moi qui l'aurais amené. En tout cas, ce qui est cool, c'est que tu te racontes pas l'histoire, quoi. Au moins, on sent que t'es... Bah, je connais le poker. Moi, j'ai rien changé, j'ai mis la même chemise, le même t-shirt, depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Et hier, ça collait. Il faisait chaud hier. Mais j'ai gardé, je me suis dit, il faut tout donner pour cette TF. C'est bien. On va finir sur le CP avec ses conneries. Ouais, ralenti quoi. Il est bien ce plan quand même. Ouais, il est pas mal, ouais, j'ai vu. Je pense ça, c'est vendeur. C'est le cul et la violence. Ce sera dans le les deux mamelles de TF1. En fait. Ce sera dans le teaser ou... Ah bah ça c'est l'ouverture, le générique de fin, le teaser, les interludes. Tu pourras rentrer en scène. T'es prêt ? Ok. Ouais. C'est bon, allez, muscles. C'est bon ? Allez. Comment t'es ready ? Attends, je regarde. Il a fait la première reprise. Hein. Ok. Message de Stéphane Matteux. Arrêtez. Tout le monde est prêt. Arrêtez de faire les cons. Ça va être dur. Là, je peux te dire que... Je suis en train de m'étrangler avec le truc, là. On va manger, voilà, tranquille. Voilà. Donc après, on va monter dans la voiture et puis on va monter dans le coffre. Vous allez voir, c'est super, mais il faut aller vite. C'est là où on rentre avec Paco et moi. Voilà, tranquille. Et toi, tu peux aller. Tu peux te cacher là si tu veux. Ouais, t'es sûr, ouais. Ouais, tu te caches comme hier soir. Ok, ça marche. Bon, après, je me mets sur toi normalement. Sur toi, c'est moins de vie. Non, mais c'est VIP là, on est cool. On est à la cool. C'est cru, putain. Qu'est-ce que tu veux, toi? Laissez-nous un peu, là, les paparazzi. Allez, salut, hein.
Comment ça s'est passé, genre, devant les caméras, dans la tête d'impro, là? Ça va, c'est bien passé. Aujourd'hui, mieux qu'hier, avec l'expérience et avec le temps qui passe, on les oublie un petit peu. Et ouais. Donc aujourd'hui, c'était cool, je me sentais dans la zone, je les ai un peu oubliés, et puis je pense que demain, ça va être pareil. T'as l'impression que les adversaires, ça les fait déjouer un peu, ou c'est... Certains, ouais, les amateurs, ceux qui posent des questions, en fait, ceux qui te demandent pourquoi t'es là et pourquoi t'es filmé, eux, ça les fait déjouer, et ils ont pas envie de faire des gros bluffs, ils ont pas envie de spew, etc., donc c'est assez marrant. Et alors, c'est quoi l'objectif de cette série de Dans la tête d'impro, du coup, c'est d'aller jusqu'au bout, ou... De faire une série sur un tournoi, mais qui dure toute l'année, quoi, 52 semaines. Non, je déconne. Là, on a pas mal d'épisodes, là, c'est déjà cool, quoi. J'ai l'impression que le boulot est déjà fait, quoi, et puis maintenant, c'est que du bonus, donc on va essayer d'aller le plus loin possible et de faire kiffer le plus longtemps. Ah là là, ça donne envie. Moi, j'ai hâte de la découvrir parce qu'en plus, on sait que Guillaume, c'est plutôt un bon client pour Dans la tête d'un pro et il a vraiment fait beaucoup de parcours exceptionnels, beaucoup de deep running. Il est très en forme sur ses WSOP. On lui souhaite évidemment de remporter une autre victoire en 2018. Ce qui est sûr, c'est que son année se passe bien. Allez lire son blog à Guillaume et puis retapez-vous quelques épisodes de Dans la tête d'un pro. Hein. Je veux dire, ça fait toujours plaisir en attendant pour se mettre en appétit. Allez, vous savez pourquoi est-ce que je suis là ? Certes, on n'a parlé que de poker, et là, il y a des images qui sont plutôt en rapport avec le football, mais j'avais envie d'offrir un petit truc au chat. Je vais choisir au pif. Attendez. Hop. Allez, Albator 974, je t'ai vu, t'étais très actif en plus, du coup, tu maximisais tes chances alors que tu ne savais même pas que j'allais en prendre un comme ça. C'est pour toi. Tour de roue, on va prendre un suppléant. Je vais prendre Doug Taylor. Tiens, allez, hop, complètement au hasard. Messieurs, dames, attention, tour de roue, on connaît le principe, hein. Est-ce que ce sera Vladimir Poutine ou la chatte à Dédé? Attention, Vladimir Poutine, c'est bon, on a évité les problèmes. Ce sera la chatte à Dédé. Alors, la chatte à Dédé, c'est deux tours de roue supplémentaires. Si je ne dis pas de bêtises, on me le confirme dans l'oreillette. C'est peut-être ton jour, hein. C'est peut-être ton jour. Hein. Il a bien fait de rester, Albator. Allez, Albator, on va lui offrir de belles choses. Attention à Poutine, c'est passé. Et ce sera 10 euros pour toi, Doug Taylor, qui a eu une petite frayeur. Il a cru qu'il allait être le suppléant, mais il n'a pas été. Deuxième et dernier tour de roue. À moins que la chatte à Dédé, évidemment. C'est déjà un beau petit ticket ou free bet. Bah, tu nous diras ce que tu veux hein, pour tes 10 euros. Oh, il a failli le faire. Il a failli le faire. Allez, un JDE à 2 euros en plus pour toi, Albator 974. Et c'est sur ces belles réjouissances que nous allons clore ce premier épisode de Multiplex Poker spécial WSOP. Je répète, hein, je vous donne rendez-vous 18h. Je ne serai pas là, mais Harper sera bien là, lui, en direct, tout seul à Vegas. Ce petit vénard, autant le faire travailler, hein, parce qu'avec la chance qu'il a d'être là-bas... Samedi 18h, dimanche 18h, ce sera aux côtés de J-Pax, JP qui sera là pour le ténor du multiplex. Heureusement qu'il est là le dimanche. Et puis moi, toute la semaine, de lundi à vendredi, je vous retrouverai avec Harper toujours. Il y aura des actus, il y aura des jeux, il y aura des invités de prestige. On espère qu'on aura peut-être un membre du team Winamax qui nous montrera son beau bracelet WSOP. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Retrouvez toutes les infos sur le coverage. J'ai envie de vous le répéter pendant toute l'émission. Allez donc voir les vidéos réalisées par ce talentueux tapis volant qui nous a fait justement l'épisode de Dans la tête d'un pro. Et puis ma foi, n'oubliez pas d'aller jouer les midi de WSOP, n'oubliez pas de kiffer, il y a le super free roll, il y a plein de belles choses qui vous attendent ce week-end, il n'y a pas que du football, je dis quand même allez les bleus, et surtout je vous dis à très bientôt, très bon week-end à tous et à lundi, et surtout à demain pour ceux qui veulent continuer d'avoir des nouvelles de Vegas. Bisous tout le monde! Feel free. All the songs you
girl.